Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous parler des bienfaits de l'huile d'olive sur les cheveux. Donc ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas utilisé et je me suis dit pourquoi pas réessayer d'après les dires des filles qui l'adorent énormément. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter parce que j'avais pas eu une très bonne expérience la première fois que j'en ai utilisé. Donc je me suis dit on va retenter, pourquoi pas lui laisser une nouvelle chance. Donc j'ai pris sous forme de spray, donc de l'huile d'olive extra vierge de la marque Cora. À la base, c'est de l'huile qui se pchit en fait sur les pizzas. Mais je trouvais vraiment le système très pratique. Donc vous avez un premier couvercle qui protège et vous en avez un deuxième donc, qui libère le spray. Voilà. Donc je trouvais vraiment ça astucieux et pas cher. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'est vrai que pour mettre sur les racines, etc., c'est vraiment très très pratique. Vous pouvez l'utiliser en massage, etc. Donc tout d'abord, quelles sont ses propriétés? Elle protège la couleur, elle prolonge la brillance des cheveux, elle apaise le cuir chevelu et elle renforce les cheveux. Donc elle a vraiment une multitude de points positifs. Et donc c'est pour ça que je la trouvais vraiment très sympathique, il fallait vraiment que je la reteste. Et c'est vraiment pas mal, j'ai testé sur les longueurs, etc. Et je pensais justement aux filles qui ont des problèmes de cuir chevelu, qui sont irritées, etc. Donc apparemment elle apaiserait. Donc je me dis que ce serait une bonne idée si vous pouviez tester parce que tout le monde, à peu près tout le monde en a dans sa cuisine. Donc ce serait dommage de passer à côté d'un bon soin alors que vous l'avez à côté, quoi, juste à portée de main. Donc je la trouve vraiment très sympa. Donc voilà, ça se présente en spray comme ça de 250 ml. Son prix est de 3-4 euros au maximum. Donc là c'est la marque Cora. Mais à la limite, même si vous ne la trouvez pas en spray, vous gardez un vieux spray, vous en mettez dedans. Ça pose pas de problème, je veux dire, une huile reste une huile, donc que ce soit la marque Cora, la marque Auchan ou une autre, ça revient au même. Donc voilà, j'ai retenté il y a peu et j'étais vraiment très très satisfaite du résultat. Donc vous avez juste à sprayer sur les longueurs et ensuite faire votre shampoing habituel, votre après-shampoing, etc. Donc voilà pour mon petit avis. Je vais la tester sur du plus long terme, donc pour voir ce que ça donne. Mais beaucoup de filles en sont satisfaites, donc je vous conseille vraiment de la tester. Surtout si vous êtes à vos débuts, vous ne savez pas trop quoi faire, vous n'avez pas encore beaucoup de produits avec vous, chez vous. Donc vous avez vraiment la possibilité de tester des huiles à portée de main. Vous avez également celle de noisette, de noix que vous trouvez dans le commerce. Donc vraiment, faites-vous plaisir, prenez une bonne huile vierge de préférence et de pression à froid. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je donnerai mon avis sur l'huile d'olive sur du plus long terme par la suite. À bientôt!